polosa et simba lisute pour ma comme na moni kuna baton ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut place no always at sous te ah oyoki allez quitter polosa on na ba cha bani na kale na lomo na ke kuna na ke kuna là va on nous on la range na comment OK ah vraiment. Qui savent pas. Et en plus, il y a des gens qui sont partout en Europe, dynamique, qui sont partout en Europe. Comment vous êtes? Mon salaire est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base de la vie suédoise est toujours Londres, Angleterre. Ils sont dans dynamique Congo. Deux ans pour avancer dans le colo. Troisième et dernière partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui il n'y aura pas 20 heures, il n'y aura pas grand débat. Grand débat, ça sera demain. Comment allez-vous? Moi je vais très bien, je vous rassure, ça se passe très bien. Jean-Pierre Bemba juge irresponsable de quitter la Mouka. Voici ce que le journal dit. Jean-Pierre Bemba, le retour, dimanche après une longue absence, ce poids lourd de l'opposition congolaise est rentré à Kinshasa. Sa stratégie? Rester dans la coalition Lamouka et n'est pas annoncé dès maintenant. Il s'y sera candidat ou non en 2023. En ligne de Kinshasa, le président du MLC. C'est à la page 16 de référence plus. Permettez-moi de le lire. Voilà, il est dit. On reprend par contre l'interview de Jean-Pierre Bemba. Mais là, on lui pose la question de... Voulez-vous dire qu'il y a une dynamique Lamouka qui est plus forte que la dynamique MLC? Voici ce qu'il répond. Je veux dire que le MLC contribue largement, fortement à Lamouka. J'ai dit simplement que cet état d'esprit de coalition fait que nous avons la capacité de gagner. Donc, ce serait absolument dommage de devoir se retirer qui que ce soit. D'ailleurs, de Lamouka. Vous pensez à Moïse Katumbi? Il dit Moïse Katumbi, je parle avec lui, il n'a aucune intention de se retirer de Lamouka, que je sache. Cela, je peux vous le dire, hein, il n'a même pas été question d'un débat là-dessus. Maintenant que les gens sont fixés, quand j'avais dit ici que Lamouka, que Katumbi ne voulait pas quitter Lamouka, les gens m'ont traité de tout le monde. Hein. Maintenant, vous vous rendez compte, c'est sorti de la bouche de Bemba. J'aimerais aussi que vous puissiez attaquer Jean-Pierre Bemba alors. Parce que quand on vous dit que Monsieur Katumbi n'a pas dit qu'il voulait quitter la Mouka, mais que l'on sentait tout simplement qu'il y avait une division au sein de la Mouka, ça veut dire la position de Martin Fayulu et la position de Katumbi n'était pas la même. Ils ne voyaient plus les choses de la même façon. Monsieur Katumbi ne s'est jamais considéré comme opposant radical, il se considère comme un opposant républicain, et que Monsieur Fayulu ne se considère pas comme opposant, mais par contre un président élu, et donc on y va dans cette direction-là. Mais si nous analysons la profondeur des choses, les contradictions au sein de la Mouka, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les contradictions ont commencé il y a très longtemps. Mais attention, les contradictions, ce qui peut paraître comme contradiction, peut être une vraie stratégie politique des gens. Oui, oui. Il y a des contradictions dans la convergence. On est convergent, mais on est contradictoire aussi. Ça veut dire question de donner à l'ennemi plusieurs facettes. C'est ce qu'on appelle le jeu des caméléons. Oui, les caméléons donnent l'impression qu'il est l'arbre. Mais en réalité, il n'est pas l'arbre. C'est une manière de duper les prédateurs. Et en politique, ça peut être... La politique aussi, elle est... La contradiction dissuasive, hein, elle est permise. Ça veut dire, on fait semblant comme si on était divisé, mais en réalité, on n'est pas divisé. Je l'avais dit l'autre fois que c'est peut-être un plan d'ouvrir les deux bandes. La première est pour Félix, la deuxième n'est pas pour Félix. C'est peut-être possible. Ça peut être deux bandes. Mais en réalité, dans l'opinion... Ça ne passe pas. Et certaines personnes ne se retrouvent pas dans ça. Ce plat est parfois indigeste pour la plupart des cas. Hier, pas plus tard qu'hier, il y avait comme quoi, on y va au soulèvement populaire. On va imposer la vérité des urnes. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de soulèvement populaire, on parle plutôt de la résistance pacifique. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que le concept résistance pacifique n'a pas commencé aujourd'hui. Martin Fayulu l'avait déjà dit. Que nous allons dans une sorte de résistance politique. Et puis après, ça change, pardon, pacifique. Et puis ça va changer un peu plus loin. Ça fera un soulèvement
populaire. Mais là, on revient. En réalité, ce n'est pas une contradiction, mais ils continuent à jouer avec les mêmes mots qu'ils utilisaient. Ça veut dire qu'ils ont produit plusieurs concepts, et quand ils lancent un, ils se bloquent, ils bloquent dans un, les gens pensent qu'ils sont maintenant d'accord avec celui-là. Et puis après, ils reviennent sur un autre concept, et les gens pensent qu'ils s'aiment, les gens pensent qu'ils sont en train de se contredire. Moi, non, moi, je ne vois pas la contradiction. Je vois plutôt beaucoup de mots, beaucoup de concepts qui ont été dénaturés. Par eux-mêmes, ils ont donné des concepts comme ils ont voulu le donner. Donc, maintenant, là, nous sommes en train de nous rendre compte d'un seul point. Ce n'est plus le soulèvement populaire. Et c'est quoi maintenant? C'est la marche pacifique. Félix Tshisekedi était très sage de ne pas permettre à ce qu'il y ait des défilés militaires. Ça, c'est très sage. Pourquoi très sage? Parce que regardez, supposons qu'il y a manifestation. Hein? Manifestation. Ça va se passer où? Je suis très convaincu que ça allait se passer au même endroit où les événements allaient se produire. Et si les événements allaient se produire au même endroit, on aurait eu toujours de heurts et ça serait très mal pour l'image du pays. On dit, bon, d'accord, dans ce cas, on ne fait pas, il n'y aura pas marche. Il n'y aura pas rapport de force, disons, démonstration, le militaire et tout. Mais rassurez-vous d'une seule chose. Je ne dis pas qu'on a retiré les militaires pour ça. Non. Non. Le soulèvement populaire, la marche pacifique, ah ben ça n'a. Vraiment, ce n'est pas une menace pour le pouvoir. Non. Le pouvoir ne l'a pas interprété comme une menace. Le pouvoir l'a interprété comme une liberté d'expression, comme un exercice normal de liberté de l'expression. Et donc, maintenant, il faut aller dans le cadre de la coordination. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ça va se passer? Ça, c'est à la Mouka de voir dans son laboratoire de stratégie qu'est-ce qui va se passer. Les gens vont venir, c'est vrai, mais ils vont dire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire comment? Et moi, je peux déjà dire aux Congolais, habillez-vous bien si vous allez à ce soulèvement ou à cette résistance. Habillez-vous bien. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de gaz, il n'y aura personne qui va vous faire du mal. Vous allez marcher convenablement, vous allez vous promener sans aucun problème et personne ne vous fera du mal. C'est une question simplement de comprendre ce que l'on veut et ce que l'on veut vraiment faire, quoi. Donc, ça, c'est sur ce point-là. Mais il y a une autre dimension que l'on doit voir. Est-ce que la Mouka va continuer cette allure-là? Je vous donne 2 semaines. On est au mois de juin. Avant le 15 juillet, il y aura encore une sorte de tollé au sein de la Mouka. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y aura un très grand événement au sein de la Mouka. En bien ou en mal, quand ça sera le moment, rappelez-moi. Avant le 15 juin. Je peux même donner peut-être pas la date, mais disons avant la fin du mois de juin. Au cours du mois de juin, il risque d'avoir 2 grands événements ou un événement au sein de la Mouka. Ça se caractérisera par des très grandes révélations. Des très grandes révélations vont se faire. Des très grands discours vont se faire. Donc, vous allez quand ça sera le moment, pensez à moi, mesdames et messieurs. Eh bien, il y a aussi 30 juin qui a été... Le défilé qui a été refusé. Annulé. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Et je ferai cette analyse demain. Quand on parlera de ce qui va se passer le 30 juin, ça sera demain qu'on en parlera pour ne pas surcharger l'émission d'aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, autant que nous aimons le pays, autant nous devons être exigeants avec nous-mêmes, autant nous devons être exigeants avec nos partis politiques. Ils ne doivent pas vous amener comme des petits moutons qu'on amène à l'abattoir. Restez focalisés sur un objectif et toujours avant de poser un acte, posez-vous la question, ça va aboutir à quoi? Le jour où le peuple congolais comprendra qu'avant de poser un acte, il doit d'abord savoir jusqu'où l'acte m'amène, les choses vont changer. Mais aussi longtemps qu'on va suivre ces gens comme des moutons, un peuple mouton, eh bien, on aura un gouvernement des ravisseurs et puis on aura certainement des gens qui vont nous regarder comme des petits-enfants. RDC, Kabuya anime une matinée politique ce vendredi au siège de l'UDPS, notamment sur la vérité des urnes. Kabuya, secrétaire, et vérité des urnes encore, là, vous allez encore politiser cette affaire. Ok. RDC, Parc de Virunga, le député JP Lumbu dénonce la nouvelle convention sur la pêche au lac Édouard qui exclut certaines populations. Ituri, l'armée neutralise 18 éléments de la milice Kadeko à Djougou. Marche du 30 juin, les leaders de la Mouka appellent à une mobilisation générale pour protester contre les antivaleurs.
baisse des prix de cuivre et cobalt, la croissance économique va probablement ralentir en RDC en 2019 à cause de la tendance baissière, alerte le FMI. Hausse des dépenses d'investissement, le FMI salue le programme d'urgence du président Tshisekedi. Loubero, la résidence d'un commandant de la police attaqué par les assaillants à Mounoli. RDC Japon, le président Tshisekedi attendu à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique au mois d'août. Benny Oh, le président, si j'étais en tout cas... Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire si je... Benny, la Loucha exige la libération de 9 transférés au parquet. La journée du 29 juin, déclaré chômée payé en raison de la 59e fête de l'indépendance qui tombe un dimanche. D'accord? Insécurité au Nord Kivu, un député propose de faire appel aux forces étrangères malgré la présence de la MONUSCO qui va accompagner la justice militaire pour l'exécution du mandat d'arrêt contre le chef de groupe rebelle. Nord Kivu, le président de l'Assemblée provinciale, cité dans une enquête dénommée « Les milliardaires du chaos ». La MONUSCO promet son soutien pour l'arrestation du chef rebelle Guidon. Vous savez ce qui me fait rire, c'est que nous sommes dans un pays qui a 4 milliards de dollars, mais c'est quand même étonnant qu'on ait des milliardaires. En principe, le pays tel dans l'état où, dans lequel il se trouve, on ne pouvait pas avoir des milliardaires. Non, le pays a 4 milliards. Comment vous allez avoir un milliard? C'est possible, n'est-ce pas? RDC, les casques bleus renforcent leur présence en Ituri avec notamment des hélicoptères d'attaque. L'ONU décide de reconduire les sanctions à l'encontre de la RDC. Oui, cher ONU, continuez. Surtout ce genre-là, il faut vraiment les sanctionner. Viol à répétition sur une fillette de 3 ans, Chantal Safou promet de s'impliquer. La communauté Banyamulenge quitte les travaux au deuxième jour du dialogue sur la paix. Église, l'archevêque de Kananga, élu président de l'association des épiscopates d'Afrique centrale. Épiscopat, je crois. Au Katanga, une marche de protestation paralyse Kasumbalesa. Unipol forme 200 policiers congolais sur les techniques d'enquête sur les violences sexuelles. Mouchebekwa exige des sanctions sévères contre les auteurs du viol de la petite fille de 13 ans. Kassai, avec un médecin au ministère des Finances, Dieu donné Piémé engendre la mort de la maximisation de recettes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, des questions et des réponses. Christian, il s'appelle Lufuluabo Jackson. Christian, ce qui est sûr qu'à la présidence, on a déjà dépensé tout le budget de l'an dans 6 mois. Donc, on ne peut s'attendre qu'aux chutes. Oui, mais le président subit ce qui a été fait avant. Je ne le condamne pas là. Je ne condamne pas le président là-dessus. Je condamne par contre ceux qui sont experts dans la question. J'ai été avec un expert ce matin dans une émission. Il m'a fait savoir, Eric Chukuma, il m'a fait savoir les deux raisons que je trouvais aussi réelles. C'est l'irréalisme budgétaire et aussi l'irrationalisme dans la dépense. Disons, l'irrationalité de notre dépense. Il n'y a pas rapport entre priorité et urgence dans nos manières de dépenser les choses. Et je crois que ça, ce n'est pas le président. Non, il faut comprendre que le président Tshisekedi dit, il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. C'est l'entourage... Ceux qui doivent connaître ces choses, qui doivent l'aider à mettre en place des politiques vraies de dépenses, ne le font pas. Aujourd'hui, personne ne peut douter de la volonté du président de la République. Je peux vous le garantir. On va dire non, Christian, Lingie Ming, non, mes frères, tous à la volonté à président Tshisekedi Azate. Il est animé d'une très grande volonté. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président rwandais le dit. Le président Sassou Nguesso le dit. Le président Bongo le dit. L'Union africaine le dit. Les Américains en parlent. Le président, le ministère des Affaires étrangères en France, on en parle. Didier Reynders en parle. Bref, au moins la communauté internationale, FMI et les autres, sont d'accord que M. Félix Tshisekedi est animé d'une très grande volonté. Parce que toutes les personnes qu'il a rencontrées
Après une discussion, ces gens-là ont fait des déclarations. Ils disent toujours, on a rencontré un homme sincère. On a rencontré un homme qui a un cœur. On a rencontré un homme qui pense à son pays. Mais ça, c'est bien. Mais le problème maintenant, qui l'entoure? C'est ça, qui l'entoure? Et tout le monde, toutes ces personnes morales et physiques que je viens de citer, ont dit au président, fais l'effort de laver ton entourage. Tout le monde est d'accord que le président est animé de très bonne volonté. Mais bateau baza nga tout autour naïe nde bazo aidé été si cause dans la minute pour dénoncer dans to comme dans la minute pour responsabiliser président mais ce qui te continue boy to umeli parce que je crois que président yemo pas a besoin à ça la moi idée y a bateau na pas muta bombani elle que na maeli on peut dire mais il est silencieux peut-être que son silence est un silence réparateur peut-être que son silence est un silence de frappe avant d'azo yo capé avant d'y pas yo et puis dans bête et vous allez peut-être tenir une sauce il y a un autre que moi je dis hein. Donc allons-y d'abord doucement. Essayons de voir, accordons-lui un peu le temps, il est pour paix à vérifier à mon amabé ouana. Ce qu'on m'a dit que ça réellement m'a à cause de la sanction. Mais ce que tu m'as dit que tu as commis par exemple une année et que le président ne frappe toujours pas dans son entourage et que son entourage continue à faire ma même macambou, alors à ce moment-là on dira ok, c'est que le président est complice. Mais pour l'instant, il serait très tôt de le condamner. C'est pourquoi je m'abstiens beaucoup. Mes frères, balangage aux autres, et d'accord, tout ça on a début. On observe tous. Tout comme une année après, parce que moi, j'ai dit, je donne. Moi, dans le bac, ils ont déjà au départ. Président de la République, dans l'Europe, ça y est, dans un cordelé, bénéfice de doute. Dans un ticket lié, temps. Je sais que le Congo ne changera pas dans 3 mois. Mais il a dit que dans 12 mois, on peut déjà donner un élan. Et ce sont là, élan, on a. Élan, on a. Moi, en tout cas, je pourrais même aller à 2 ans. Ce qui, après 2 ans, ça dit mi-mandat, rien n'est fait toujours. Ah, là, je pourrais me dire, ok, maintenant, on comprend. On peut changer de trajectoire. Parce que je sais que l'homme change. Je sais que les hommes peuvent changer aussi. Mais pour l'instant, je ne vois aucun mal encore du président de la République. Ma bena y est directement dans un monaté. Et entourage, il y a un monde qui est déjà dans l'entourage. Est-ce qu'au début, tu as un monde qui est mission entourage à président de la République? Parce que tu as un monde qui est déjà. Mais si tu as un monde qui est déjà dans l'entourage, on en parle. De la même manière, ceux qui m'ont commis dans le président, j'en parlerai. Je ne suis pas quelqu'un qu'on va acheter. Mes frères, soyez-en sûrs sur quelque chose de très important. Vous avez quelqu'un de très ambitieux, oui, on peut l'acheter. On peut acheter quelqu'un de très ambitieux. Mais quelqu'un qui ne veut rien, on ne l'achète pas. Moi, je ne veux rien. Vous allez l'acheter comment? C'est très important, mes frères. Kabea Yemi. Ici, à l'est du pays, si on passe une journée sans écouter les crépitements des armes, c'est qu'une excursion des rebelles se prépare. Il faut un ange pour finir cette situation. Car le fils digne même du pays... à la commande ne parvient pas. Mon frère, vous ne terminez pas une guerre de 20 ans dans 4 mois. Soyons cléments. Ici, je vous demande simplement un peu de patience. C'est vrai, cette situation de l'Est ne peut pas demander encore plus de temps. Les gens ont tellement souffert, je suis d'accord. Mais aussi, à un moment donné, soyons réalistes. Il faut voir, si vous voulez que le président vous aide, il faut qu'il ait les outils que lui-même a fabriqués. Il faut qu'il ait les outils que lui-même maîtrise. Sinon, ça sera compliqué, mes frères. Moi, je crois qu'il faudrait aller méthodiquement pour régler cette question une fois pour toutes. Léanie Moudina. Le gouverneur du Kassai a créé une commission pour récupérer les biens de l'État, mais il a reçu une notification venant de la présidence lui interdisant de faire cela. C'est ça le déboulonnage. Ça, je peux vous le dire, c'est faux et archi faux. Mauvaise information. Mauvaise information. Informez-vous bien. C'est faux. C'est faux d'abord, vraiment faux. Ce qui est vrai, c'est que le processus du déboulonnage voulait se faire. Mais le président Tshisekedi a été interpellé rapidement parce qu'à l'extérieur, on lui a dit il y a des gens qui veulent en profiter. Il y a des gens qui veulent régler de compte Nelo Kouana. Si tu oses aller dans ce sens-là, eh bien, tu seras un carnage. Les gens veulent profiter de ma déboulonnage pour ne pas se régler ma compte. Vous savez que le FCC était un serpent qui s'est mangé entre eux. Et aujourd'hui, comme nous sommes, c'est refaire, comme on dit, c'est remonter ma bretelle. Alors, il faut empêcher que le système du déboulonnage ait un moyen pour se régler des comptes, se venger pour rien. Voilà pourquoi il faut que ça se passe méthodiquement. On a dit au président de la République, seul le pouvoir judiciaire réglera ce problème. Seul le pouvoir judiciaire va régler ce problème. Voilà pourquoi on dit, on attend un ministère de la Justice pour que ce ministère puisse... Et lui, le ministère en question, avoir des structures, des associations,
Il va travailler avec ça. Le plan est là. Ne vous en faites pas. Le plan est là. Tobo inde ba dongolomi so ba ko tana projet on a ba ko ba ko be disa yango. Et comme oh ba zo sala ba règlement de quantité. Boza la calme. Bolingi propreté en casico. Boza ki on promotion propreté wan. Quand on boyo ki lobby que aya sala de boulonnage ale bino tobo misi ma seki tolingi de boulonnage. Non. Le déboulonnage, c'est nous qui allons le faire, pas vous. Laissez. Bah, on sait la bino de boulonnage n'engezoya malem malem. Le ministère de la justice au beaucoup soin. Et vous réglez ma cambobélé, je crois. Unumbe Magda. Maï et Minganaga Pambate. La lettre qui circule dans les réseaux sociaux faisant état du contrat de réhabilitation de la présidence peut être vraie, mais il demande cela parce que Tolembi, Totimbeli, Bango. Oui, ça peut être ça. Ça peut être pas ça, ça aussi. Voyez-vous, je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord aussi qu'on peut se tromper tous les deux. Kamas Yves, Christian, où sommes-nous arrivés sur les sanctions qu'avaient infligées l'Union européenne et les États-Unis contre les autorités congolaises? Les autres, bah, Ezali Gratisiko. Ezali. Tous autres, c'est un groupe de président qui nous renforçait en gros. Ezali. Makasikoutou. Bah, bandit, l'écoutou, sanctions. Moulendangoy, quand on disait que la Mouka n'aime pas le pays, personne ne nous croyait. Voilà aujourd'hui qui se prépare pour jeter l'opprobre à la journée de l'indépendance du pays. Théba changé, et comme une marche pacifique, et comme une résistance pacifique. Ce n'est plus une, la révolution, et comme une marche pacifique. Charles Ngazi, qu'est-ce qui fait que Roubaix Roy et Bisengimana se retrouvent dans la délégation de la commission de réconciliation de paix entre les Banyamulenge et la communauté locale alors que nous savons tous que l'un des camps est venu de l'étranger. Moulumaï On. Est-ce vrai Obem Inaku et Bouchab sont repris parmi les ministres de Félix? Bon, attendons voir comment ça va se passer. Attendons voir hein, comment ça va se passer. Eliane Zapata. Nos compatriotes de la diaspora ont un sérieux problème. C'est la compréhension. C'est le même danger pour l'avenir. Orchid Bar, le soulèvement voulu par la Mouka ne profitera à personne. On a besoin de la paix, qu'ils aillent se soulever contre les rebelles à l'Est. Justement, s'ils se soulèvent ici, ça sera aussi pour ça. MP Daniel, un soulèvement ne se décrète pas à l'avance de la date. Il vient brusquement et un soulèvement ne peut être l'œuvre des politiciens mais du peuple. La Mouka joue avec, avec ses militants inconscients. Non, non, ils ne sont pas inconscients. Ce sont des gens qui ont choisi le camp la Mouka parce qu'ils veulent libérer le pays. Je crois humblement que vous devez laisser les gens penser comme ils veulent penser. Hein? Ils veulent penser. La Mouka, ce n'est pas Bemba, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas Fayulu, pardon. C'est, la Mouka, c'est un état d'esprit, c'est un état de pensée. C'est ce qu'ils ont dit, en fait. Angèle Mazengou. Quand j'ai écouté ton invité ancien ministre des Finances, je me suis dit que le Congo et Kobongalelo n'a l'obité, si ce ne sont que les mêmes visages qui reviennent dans la gestion. Mbassa Ngoma. Christian, la seule façon peut-être pour Félix de créer des emplois, c'est de constituer un gouvernement de 1000 membres, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Oh, ils appellent les Mbimbo Kapena. Albert Ndani, finalement, qui est le président de la République? Donc, Fayulu a raison de poursuivre son combat sur la vérité des urnes. Pourquoi Félix n'agit pas contre les exigences des Kabila? Donc, Félix fera rêver les Congolais. Vous voulez qu'il fasse quoi? Je comprends pas. Il fallait peut-être poser la question de ce que vous voulez. Tancia, la constitution du gouvernement dépendra de la force du cash à négocier devant le FCC. Kabound, Kamer et Félix sont des faibles hein, dans les négociations. C'est pourquoi on assiste à tout ça. Jojo Kyoto, pour savoir un pays maudit ou nation opprimée, on observera à travers les traitements de ses médecins et de la crédibilité de sa justice. Grâce Ndombo, ce que subissent les médecins, ce sont les promesses faites à Félix, par Félix, de pouvoir relever les niveaux de la santé du pays. Je crois qu'il faut que le médecin marche. Et le président avait dit qu'il va régler ce problème-là. Attendons voir comment ça va se passer. Guy Bantou, Christian, depuis Val en Afrique du Sud, que je suis tes émissions. Courage, car tu ne dis rien que la vérité. C'est un bon exemple pour la nouvelle génération. Mamiche, Christian, quand est-ce que tu vas rencontrer le président de la République? Quand il m'invitera, je le rencontrerai. Parce qu'on sait aujourd'hui, si on demande l'audience, ouf, c'est compliqué, mes frères. C'est extrêmement compliqué. Mais le jour où je rencontrerai le président, je lui poserai simplement une question. Monsieur le président, qu'est-ce que vous pensez que le peuple pense sur vous ou de vous?
Quand vous dormez, qu'est-ce que vous imaginez que le peuple dit sur vous? Est-ce que le peuple est fier de vous? Quel est le sentiment que vous avez vous-même de ce peuple-là? Troisième question, je te poserai la question. Monsieur le Président, s'il fallait renaître au Congo, accepteriez-vous de naître à Goma, à Minembwe, dans les villages où il y a des guerres? Est-ce que vous accepteriez de naître là-bas? Je dirais au Président, pourquoi vous n'allez pas vivre à l'est du pays pendant une semaine et vous faites un appel à tous les présidents qui veulent vous vendre, toutes ces personnes qui veulent vous voir, qui viennent là-bas. Même pendant une semaine, vous allez par exemple à Butembo. Le président Avandi, on a une semaine, il ne fait qu'il traite les questions de l'État là-bas. Comme ça, j'aurais posé beaucoup de questions au président de la République, si je le rencontre, bien sûr. Je lui poserai la question aussi, monsieur le président, est-ce que vous êtes tranquille quand les Congolais mangent le pain du bleu, que le bleu que nous importons? Je poserai beaucoup de questions au président de la République. Quelle est l'idée que vous avez de toutes ces jeunes dames qui souffrent de l'anémie que l'État ne prend pas en charge? Je poserai la question au président. Monsieur le président, si vous avez un enfant handicapé, dans quelles conditions cet enfant allait vivre au Congo? Il allait étudier où? Il allait prendre quel type de transport? Comment allait-il faire? Dans tous les bâtiments publics au Congo, il y a peu de bâtiments qui prennent en charge les handicapés. Ce sont des gens délaissés, abandonnés, quoi. Dans le trottoir, il n'y a même pas des endroits des Chinois. Il n'y a pas d'endroit où il y a des handicapés. Mais si nous allons en Chine, dans Guangzhou, dans Zalakiwana, aux hommes, on a peine qui battent les bino. Dans la vidéo, on a habité sur le monde déjà. Dans la salle des bino, une partie, il y a balabal, hein, salle des bino aveugle. C'est-à-dire, salle des bino balabal, on a salle des trottoir, salle des bino, salle des bino karomoko boy, pour n'a pas aveugle. Donc, quand il y a un aveugle, avec la otambola, et donc guider les types là, ça vous il n'a même pas besoin d'être accompagné. Aïebi. Mais est-ce que nous avons une politique qui intègre, qui insère les aveugles, les non-voyants, Nani Nabiso? Est-ce que nous avons des programmes de là-bas? Monsieur le Président, ce robot Timon a mongol. Ce robot Timon a un défaut dans le moto, a un retard. Est-ce que le système de l'abissau Congo et le Kosobango, pourquoi nous sommes appelés à Kobomba Ban Nabiso, Nabanda, Kobano Nabiso, a un problème dans le Missou, un problème, pardon, dans le moto, dans le fonctionnement, Banana, a un difficulté, il y a un réseau barré, il va attarder. Pourquoi Abissau a une difficulté de prendre Bango en charge? Pourquoi leurs parents doivent se battre pour continuer dans le Libanda? Pourquoi nous n'avons pas des écoles spécialisées pour Nabanawana? Ils ne sont pas congolais? Ils n'ont pas droit à la vie? Vraiment? Voici les questions que je poserai au président de la République. Et j'aimerais qu'il m'invite qu'on déjeune ensemble. Tout ça, la déjeuner, mon président. Dans tous les cas, bon, président, on est au déjeuner dans le Congo. Il y a des gens qui ont produit dans le Congo. On a déjeuné dans le Congo. Qu'est-ce qu'on a produit dans le Congo, monsieur le président? Café ou Tilibanda? Sucre ou Tilibanda? Bon, ça me aussi qu'un Kulungongo. Rien du tout. Et où tu as Tasse, Libanda. San, Libanda. Tout, monsieur le président, Libanda. Un peu de fierté pour le fait que désormais, ton Melaka Kabilo Koutiao. Ça veut dire que tout le Kabay usine, il y a porcelaine. Tout le Kabay usine, il y a verre. Tout le Kabay usine, il y a café. En fait, tu ne quand même pas. Tu réhabilité usine, il y a boteka. Tu réhabilité la usine, il y a l'Équateur, il y a café. Et Zongia, tu as un café, il y a un. Pourquoi tu comportes café outil Gabon? Pourquoi tu comportes café outil Côte d'Ivoire et outil Moussika? Pourquoi ne pas produire sur place? Ce sont ça les questions que je poserai au président de la République. Et puis on retourne, monsieur le président, parce que tu as fait une école mon côté. Tu as fait une école, tu as fait une école. Tu as fait président, tu as une école. Tu as fait une école 6e année, tu as fait une rédaction, tu as fait une école. Que nous sommes très heureux de voir le président venir nous rendre visite ici. On a vraiment aimé que le président, nous prions pour que Dieu te donne la santé, tout. Pas comme un cac à la papier. Et puis, le président, tanga no cac. Et puis, ça veut dire que le niveau à bon de ce pays dans mon emboc. Bilo, tu vois, ça n'a président, il y a un tout qui est dans la 4e primaire, il y a un président. Tu vas dire, il y a un président, il y a un président. Mais malheureusement, est-ce que j'aurai la chance? Aurais-je cette opportunité-là? Peut-être pas. C'est à cause, gloire à Dieu, dit, c'est à cause de cette condamnation qu'il a invité, Fayulu, un inconstant pour changer la constitution pour lui, et Fayulu ne comprend pas qu'on se sert de lui. Aimé Ilunga,
Christian, c'est triste avec les politiciens médiocres et c'est comme si FCC est mieux organisé dans sa logique de médiocre. Oh, mais non, FCC, c'est une grande machine. FCC, pas du tout. FCC, ça a raté, mes frères. FCC, c'est une machine politique à aucune. Et on s'est raté. Je vous dis, mes frères, ce qui FCC, Maëlle Obatcha, pour nous bébés, ce qui est pour nous bébés, mais le Congo est le premier pays en Afrique en termes de modèle et d'économie. Ce qui moibi ya mbongo posa ya mbongo o dalaki na bateau ya FCC ce qui bateau na batia ki maeli na bango kaka pona ko mboka na biso on serait extrêmement loin, je vous dis très loin. En 18 ans donc on doit monter moko bongo sa kanate donc on doit imaginer te mais za ki bateau bazui volonté na bango batia ngo na mabe malheureusement otuni bango le bi développement na bino za pa bio tant ka bi la kota ki botel za ki mingite le lotala ne botel comme ebele oh. Monsieur Lobby, tant que la côte qui est le téléphone, t'es mais il y a beaucoup de deux téléphones, trois téléphones. Et d'ailleurs, tu as un téléphone. C'est une loi du marché, mes frères. Une loi du marché. Ça va pas si vraiment beau qu'à la biseau. Donc, c'est si pour les lois, en tout cas. Portez-vous bien. On se retrouve demain. Abonnez-vous massivement. Soutenez notre chaîne. On a besoin de créer une radio et une télé à Kinshasa pour diffuser la bonne information. Pour la bonne information et surtout les enseignements. Soutenez-nous, s'il vous plaît. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron, on a appelé ça. Et si je suis souhaité, pour moi, comme je suis là, patron va travailler dans Zambé. En tout cas, si je suis musique. Donc là, va, y a ma mission à faire ça aux autres comme il faut. Place nous à où ils allaient sous-souter. Hein? Oyogi, allez, quittez! Polo ça, on est là, 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 là, va! Hein? Ah, 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 on est là, on est là, comment vous êtes? Ah, ouais, on est là, vraiment. Qui savent là? Et en plus, il y a qui est commis partout en Europe, dynamique, on est commis partout en Europe. Comment vous êtes? Ça et comme ils sont partout, tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles, et puis base la vie suédoise toujours Londres en Angleterre. Puis on a dynamique Congo, deux ans pour avancer dans le colo.